Salut à tous, on se retrouve sur Rugby World Cup 2015 sur PC. Et c'est un jeu dont on n'a pas entendu parler, mais vraiment pas du tout. Alors bon, moi en gros, gros fan de joueur de... Enfin, gros fan de rugby, voilà. Évidemment, j'en ai entendu très vite fait parler. Donc j'ai mis toi à fond les graphismes. Il y a très peu de choix, mais il y a marqué fantastique. Le dernier choix, mais ça me fait rire parce que j'ai fait un match pour tester, donc vous allez voir à quel point les graphismes sont fantastiques. En plus, j'ai vu que ils n'ont pas les licences de toutes les équipes. Bon, vous dites, c'est vrai que je pars avec un gros a priori, mais vous allez voir l'Angleterre, hein, par exemple, laquelle j'aime bien jouer. Je suis fan du rugby anglais, ben, c'est pas les vrais noms. Par exemple, 9, Bradley Yandel, je pense que c'est Ben Youngs, Gabriel Font, c'est George Ford. Etc. Matthew Black, le 15, c'est un Mike Brown, je pense, etc. La France, pour ceux que ça intéresse, oui, par contre, elle est. Elle, voilà, elle est. Elle a, ils ont là, ils ont pris la licence. J'ai regardé vite fait, voilà. Il y a quand même beaucoup de manques. Regardez, j'ai pas regardé toutes les équipes, hein, donc on peut regarder vite fait. Du Sud non plus. Mon Dieu. En fait, c'est limite s'il n'y a pas que la France pour voir l'Italie. Si ça, l'Italie, c'est bon. L'Écosse, ouais. Voir. Stuart Hogg, donc ouais. Crossford, Shane Lamont, oui. L'Irlande, on va aller regarder vite fait. On regarde ben, comme ça ensemble. Si l'Australie. Après, j'ai pas trop suivi le Quad Nation, même si voilà, vite fait de loin, mais j'ai pas l'impression que ce soit les joueurs de l'Australie. S'il y a des connaisseurs, ils me le diront. Donc là, la Nouvelle-Zélande non plus. C'est quand même tristouné pour le jeu soi-disant officiel de la Coupe du Monde. Le pays de Galles l'est, par contre. Ça a l'air un peu aléatoire. Je trouve pas l'Irlande. Si vous la voyez, l'Irlande. Ah si, elle est là. Ah, c'est pas chercher un drapeau comme l'Italie. Ouais, bon. Il y a la licence de l'Irlande. On va se faire peut-être un France-Irlande vu qu'ils seront dans le même groupe. Et qu'au moins, j'aurais bien aimé jouer avec l'Angleterre. Mais voilà, c'est pas les... C'est pas l'équipe officielle, donc c'est moins marrant. Bon, ils sont tous black, George Ford est black, enfin c'est marrant. Donc on voit, je vais vous montrer vite fait, donc il y a entraînement, coupe personnalisée, faire la coupe du monde et le match amical, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Je vais virer la petite souris là, hop. C'est tout ce qu'il y a en mode. C'est quand même tout simplement miteux. Donc on va lancer un match amical, voilà, j'avais fait Angleterre. Mais on va prendre l'Irlande. Allez, hop, ils sont où? Hop. On va prendre l'Irlande, on va jouer avec l'Irlande contre la France. Hein. Je ne jouerai pas la France, non, non. On va mettre la difficulté. Il y a facile, normal, difficile. On va mettre en normal. Mais après un match, juste de jouer. Stade, c'est quoi ça? Club, inter. Je sais pas ce que c'est. On va laisser en normal. Alors on va mettre aléatoire. On laisse à tout ça aléatoire. Hein. Condition, on va mettre. Clair pour avoir la pluie. Et on y va? Et on y va. Allez. Donc, j'ai l'impression que il y a eu Rugby 15 qui est sorti l'an dernier, auquel je n'ai pas joué, clairement. J'étais resté sur Jonalmo Rugby Challenge 2. Et clairement, après un match, je pense que bah, ce jeu il va vite être désinstallé et Rugby Challenge 2 va rester. Je vais vous laisser les présentations. On va voir les hymnes et tout. Oulala. Comme une rencontre palpitante, Thomas. Oui, il règne toujours une atmosphère particulière des matchs en lecture. Il y a les hymnes, il y a un peu plus de présentation que sur Rugby 15 où il n'y avait vraiment rien, je crois.
Il n'y a pas grand chose quand même hein, au niveau enrobage déjà. Mais alors, le problème c'est que le reste non plus, il n'y a pas grand chose. Enfin, on va voir. Alors en normal, j'espère ne pas me prendre une branlée. J'ai pas trop vite compris. Regardez ça. J'ai l'impression d'être sur un. Allez, boum. Hop, on dégage vite. Il était très bien placé. J'ai mis la vue sur le côté. Et il assure avec un arrêt de volée. J'ai fait l'arrêt de volée. Ah, j'ai réussi à faire le truc normal. Qu'est-ce qui se passe là? On m'attend. Oui, on va faire un coup de pied. Il tape dans ce ballon. Hop. On ne trouvera pas la touche. Si. Jolie touche. On peut la jouer vite. Est-ce qu'il va la jouer vite lui? Ouais, il la joue vite. L'un des centres. Boum, gros plaquage. Alors là, j'ai pas tout compris encore au niveau des rucks. Hein, donc. Hop, on plaque. Mais ça, c'est peut-être pas forcément mal fait, hein, le truc des rucks. Juste que j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que c'est un bug? Non, il met 3 ans à la sortir. Attention, et il tape le poteau, bravo, c'était beau. Attention, la touche. Allez, allez. Oh là là, on a. Oh là là, on va. Allez, on va essayer de faire du jeu. Jonathan Sexton. Allez, Sexton. Et on aplatit, voilà. Encho qui marque. Voilà. On a le ralenti. Tout ça parce qu'on a eu une mêlée à la. Alors, le système des coups de pied, je trouve, est mieux que sur John Alomo Rugby Challenge 2. Vous voyez, faut un peu faire approximation. J'aime bien l'idée. Et après, faut faire. Il s'élance pour taper. Faire avec le stick droit et je me rate. Honte à moi. Oui, ça partait bien. C'est la honte à moi. Après, il y a le changer de joueur un peu comme dans PES ou FIFA avec. Avec le stick, donc c'est pas mal. Et un coup de botte. Et il y a des idées bonnes, il l'a fait en touche direct, non? Non, je veux pas la jouer vite, il veut essayer de l'attraper, mais il l'a pas. Alors là, on choisit avec RT, vous voyez le truc. Ouais. Au premier, on va. Allez, on essaie de pousser, de faire un ruck. Je vais essayer de montrer. Allez, on la sort. Et faut pas la perdre. Oh là là là. Hop, allez. Belle combinaison. Fait du jeu en repart intérieur. Allez, allez, allez. Bon, moi après, c'est pas que le jeu est bien, mais moi je m'enflamme toujours hein, parce que j'essaie d'en profiter avec le peu de jeu rugby qu'on a. Bon, même quand ils sont. Oh là. Quand ils sont mauvais, comme ça. Oh là, on s'est intercepté. Bon, je compte faire des matchs un peu de la Coupe du Monde. Un peu avant qu'ils soient là, mais. Je pense que je les ferai au final. Sur John Alomo Rugby Challenge 2 plutôt que sur celui-là qui. Je sais pas. Oh, il est passé. Hop, on arrive à l'arrêter, c'est pas mal. Et alors, faut pousser, on récupérera pas la balle. Le ruck, mais en même temps, je sais pas vraiment la récupérer. Oh là 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 là, je plaque en l'air, on a rien vu. On les a bien ramenés. Ils arrivent à bien conserver la balle. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive à. Allez. J'ai fait une petite faute. Je me suis dit, vaut mieux concéder 3 points qu'un essai. Voilà. Oh, il la passe. C'est dommage qu'on ait raté la transformation. Allez donc. Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup d'à peu près au niveau des. Oh là là, vous avez vu ça, le mec il a sauté, il a fait un saut de 5 mètres pour plaquer, normal. C'est assez ahurissant des fois. Est-ce qu'on va pouvoir la jouer vite? Non, on n'a pas de. Alors on va tenter. Oh! Direct en touche et c'est eux qui l'avaient. Eh oui, c'est eux qui l'avaient ramené peut-être sur mon plaquage, on va tenter. Hop! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai tenté. Hein? Il a raté sa passe. Autant pour moi, c'est sans doute moi là qui fait n'importe quoi. Hein. Hop là, donc il faut faire ce que le stick nous dit, je pense. Ce que je ne fais pas forcément bien.
Bonne passe dans le mouvement. Il va falloir mettre la pression. Il trouve une belle touche. On pourra pas la jouer vite, dommage. Si. Alors on va la jouer vite. Hop. On est là pour le jeu. Bon, allez. Oh, il est... je casse un plaquage. C'est bien. Allez. On continue d'ouvrir. Ah, direct pour notre ailier. Il peut le prendre de vitesse. Voilà. Il rentre intérieur. Allez, il va se faire attraper. C'est pas mal. On garde la balle. Allez, on part avec le 9. Hop. Ah, j'ai pas réussi à faire la passe. Pourquoi ? Allez, on tente encore un petit côté. Enfin, on continue dans le même sens. C'est pas forcément un petit côté. Ouais. Nous tiennent bien. Le système des rucks, si je le comprenais, si je le comprenais vraiment bien, pourrait être mieux, peut-être, que celui de Jonalomo Rugby Challenge. Après, après pour le reste, vraiment, on a l'impression d'être 10 ans en retard. Hein. C'est assez impressionnant. Allez. On essaie de faire du jeu. Donc, plus on appuie longtemps et plus on va faire une longue passe. Et toutes les passes sont avec RT. Donc, en fait. Et après, on vise. J'aime bien tenter un drop, mais je sais pas quelle touche c'est. Ah oui, je vais tenter. Bon, mais ça va partir à la mi-temps. On va les laisser taper en touche, je ne sais quoi. Ouais, donc bon. Les rucks peuvent être sympas, si je comprenais bien. Voilà, c'est la mi-temps. Ils peuvent être satisfaits de la manière dont ils font circuler le ballon. Ouais, leurs passes sont de très bonnes. Oui, on est satisfaits. On est satisfaits. Voilà, on met de suite à reprendre le match. Et on y va. Faudrait que j'apprenne peut-être à les faire un peu plus court pour mettre. Oh là là, regardez ça, à chaque fois on peut plaquer. De façon complètement hallucinante. Oh là là, on les fait reculer. On met la pression, c'est pas mal. Il va devoir faire un coup de pied un peu en difficulté. C'est une belle touche. Il faut une belle touche. Les sauteurs sont prêts. Ah mais non, mais direct, ils sont rentrés encore. On va retenter la même. Oh là là, on le perd là-bas. On n'aurait pas dû tenter la même. Mais on va. Ils arrivent à trouver toujours des bonnes touches. Même s'ils sont gardés l'endroit où il est, il va trouver une touche. Hors des 22. On va retenter encore sur le 8. Bien, allez. Hop, on repart intérieur pour Sexton. Pas mal. Allez, petit côté. Voici, c'est vraiment le petit côté. Hop. Et il cassera pas de plaquage, dommage. Allez, ne pas perdre la balle. Et là, peut-être pour Sexton, et on va peut-être faire une sautée. Allez, regardez. Hop, une sautée. Hop, pour le centre. Et le deuxième ligne. Paul O'Connell. Je ne le reconnaissais pas de là-haut. Hein, si vous reconnaissez Paul O'Connell, vous. Attends, il est emblématique. Hein. Normalement, on le reconnaît facilement. Bon, alors, on va essayer de faire quelque chose de mieux là. Tout à l'heure. Ça a l'air pas mal. Peut-être pas du tout. Je pars à chaque fois un peu sur la droite, mais ça va. Tour du milieu, comme il dit. Pardon. Bien pris ce ballon. Allez, on va tenter de relancer. Allez, Tommy Bow qui repart intérieur après. Ouais, on a fait l'écart, on peut prendre des risques, on peut s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut tenter? Une passe courte, je sais pas ce que ça donne. Ouais. Belle passe courte. Allez, le talon Rory Best. On l'attend, hein, cette Coupe du Monde. Ouais. J'ai hâte de voir ce que les Anglais peuvent faire avec leur Coupe du Monde à domicile. Ils sont favoris avec la Nouvelle-Zélande au niveau de tous les pronos et de la logique. Ils sont durs à. Honnêtement, je vois que la Nouvelle-Zélande capable d'aller les battre à Twickenham, aux Anglais. Et les Français, moi je. À part une grosse surprise, je les vois finir deuxième de leur poule et se faire éliminer, ben, je crois, face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Logiquement, ce serait ça. Et heureusement qu'ils sont dans un groupe facile et pas dans le groupe de la mort avec
L'Angleterre, l'Australie et le pays de Galles. Allez. On retente. Moi je tente des trucs. Hop, on va par l'intérieur. Pas mal. Ah, j'essaie les passes après contact. C'est un peu moins cheaté que sur Rugby Challenge. Ouais, ça... En fait, vraiment, honnêtement, les graphismes, ça a vraiment. Ouais, comme je dis, 10 ans de retard. Hein. C'est bizarre quand même. Par contre, il y a la pelouse qui s'abîme petit à petit, je crois, ça c'est pas mal. Mais. Enfin, je sais pas. C'est bizarre quand même. D'être. Je sais que c'est pas les mêmes mecs qui le font, mais c'est quand même bizarre. De pas s'appuyer sur ce que Rugby Challenge a fait, où ils ont vraiment fait de bonnes bases. Et là, ils nous font deux années consécutives des trucs un truc quand même surprenant. Hein. Ça ressemble à du rugby. Ça a les règles du rugby, mais c'est tout sauf du rugby, je trouve, là, ce jeu. Par les commentaires. Eric Bail, on essaie de tourner, nous, moi je la joue pas là. Allez, hop, une sautée. J'ai vu qu'on pouvait tenter la toupie ou je sais pas quoi. Ah, on va perdre la balle. Non. J'aimerais bien tenter un geste technique. Hop. Ah oui, la toupie, vous voyez. Hop, puis le plaque. La passe après contact, c'est pas mal. Ah, bien, il arrive à nous prendre. Nous, on perd pas la balle. J'ai envie de tenter un départ, allez, avec le 9. La passe bien coordonnée. Hop. Ils nous prennent bien. Bien défendu. Je retente un départ avec le 9, mais de l'autre côté, petit côté. Oh, il fait un en avant sur le plaquage. Il bien que ça arrive depuis le temps qu'on avait. Ouais. On avait récupéré la balle dans le requin, je crois. C'est pour ça qu'ils sont revenus. C'est dommage. Allez. Non, on récupérera pas la balle. J'ai tenté, je savais pas trop comment faire. Donc c'était RT. Ah, oh là là, je plaque dans les airs. Bon, ça c'est, je crois, dans tous les jeux de rugby, on a tous fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez là le mec? Je le contrôle plus. Et puis il était hors jeu, mais moi j'y peux rien. Là, je le contrôlais plus depuis un moment. Enfin bon. Et ce sera une pénalité. Ah, j'espère vraiment. En plus, j'ai gratouillé à la main, je crois. Ça correspond à ça, ouais, voilà, j'ai fait une faute. Il joue à la main et le jeu repart. Oh, il la joue à la main. Ils vont tenter un dernier essai pour sauver l'honneur, les Français. C'est une pénalité contre les... Je fais des fautes, j'arrête pas de faire des fautes. C'était intentionnel, ça ne fait pas le moindre. À force, je vais prendre un essai. C'est parce que j'essaie en fait de récupérer la balle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh là là. Oh, on a réussi à récupérer la balle cette fois. Allez. On va faire du jeu peut-être. Ouvrir tout là-bas. Oh là là, ça a tapé le poteau. Ça faisait ça déjà dans Rugby Challenge. Allez. Il est bloqué. Hop. Je tente les passes après contact. Je fais n'importe quoi, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer toutes les possibilités de ce jeu. Et on est remis dans nos 5 mètres. Et c'est la fin du match. Voilà. C'est fabuleux. je sais pas. C'est quand même. C'est une honte, tout simplement. Et je comprends pourquoi on n'en a pas entendu du tout parler de ce jeu. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, tout simplement. C'est miteux. Hein. Ouais, bon. C'est surprenant. Qu'ils nous sortent deux années consécutivement un jeu d'une si mauvaise qualité, c'est se moquer des fans de rugby, je trouve. Voilà. Moi je le déconseille hein, 200% ce jeu. De toute façon, les images en parlaient d'elles-mêmes, je pense. Si vous avez Rugby Challenge, restez dessus. Moi je vais y rester. Et puis malheureusement, on est obligé d'attendre. Est-ce qu'on aura un jour un bon jeu de rugby? Je sais pas, moi, à force, moi j'y crois plus, mais bon. Si peut-être après la Coupe du Monde, si la Coupe du Monde est bien médiatisée, que ça devient toujours plus populaire, on sait jamais, voilà. Bah, moi j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et puis à la prochaine!
Allez, ciao ciao.